C'est bon, ça règle, je suis content de l'être. Mais pas fait. Bref, à quel moment vous avez décidé de rentrer en studio tous les deux et de faire cet album à deux? Vas-y, Matt. Écoute, comment ça s'est passé? Est-ce que ça devait. Est-ce que c'était. Non, c'était pas pendant les mixages de Mister Mister, c'était. Je crois, ouais. À la fin, c'est oui. ça? Oui, c'est à la fin où je pense qu'on s'est dit ce serait peut-être le Oui. moment de faire un disque vraiment tous les deux à fond ensemble. Et parce qu'en fait, on avait fait des disques, on avait collaboré les uns les autres sur des. Enfin, surtout toi d'ailleurs qui étais venu sur mes disques. Et puis bon, donc, comme tu m'avais demandé de faire les mixages, moi ça m'avait vachement touché et puis étonné. Hein, tu vois. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un disque complètement tous les deux, quoi, de le co-réaliser, de le. Et de le faire du début jusqu'à la fin. Moi, en lui, je trouve vraiment un alter ego musical incroyable. C'est-à-dire que vraiment, on connecte, on est en phase. C'était l'idée aussi de trouver quelque chose de très émouvant dans ces chansons, d'aller encore plus chercher l'émotion et quelque part de confronter nos deux langages, quoi, c'est-à-dire sans interférence, parce qu'avec d'autres musiciens, ça amène évidemment plein de richesses, et en même temps, tout d'un coup, ça peut être une manière de s'égarer un peu, alors que de dialoguer juste à deux et de tout faire tous les deux, c'était évidemment la solution pour que ce soit plus intime et plus émouvant, quoi. C'était la façon la plus fraîche, quoi, d'appréhender les chansons, de trouver des choses. La musique, c'est pas un truc cérébral du tout. Je veux dire, tu prends une guitare, tu trouves un mot, tu trouves ça formidable, enfin, tu vois, ou tu trouves ça merdique, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça tourne, ça te fait un plaisir. Si ça fait du plaisir aux autres, c'est encore mieux. Mais disons, le premier truc, c'est de te faire plaisir à toi, que ça t'amuse et que c'est rigolo de trouver une phrase qui tourne bien avec des notes. Et puis, t'as du plaisir à la chanter, tu vois, et c'est tout bête, c'est ça. Je veux dire, il faut garder ça tout le temps. Alors parfois, tu cérébralises un peu les choses, tu te dis, ouais, mais il faut que ce soit plus intelligent. Là, ce que je viens de dire, c'est con, mais si c'est sincère et Oui. si c'est bien joué, bien fait, bien chanté. Quand j'écoutais certaines chansons, je me rendais compte que c'est comme si je jouais des choses qui étaient pensées par Louis sans qu'il me le dise. Enfin, on sentait que c'était. On se pose pas de questions. Enfin, c'est vrai que c'est d'ailleurs, c'est au-delà des mots, mais il y a quelque chose comme ça d'assez profond, quoi. Voilà, très profond dans le. Parce que peut-être que quand je joue une guitare, en fait, bizarrement, je pense à des guitares. De certains disques qu'il a pu faire, et inconsciemment, c'est une façon. Je joue une guitare qu'il aurait pu jouer lui, enfin, ou une batterie ou autre chose, et ça, je le sens vraiment. Je constate que les mots sont très. Qu'on est encore plus. Que tout est autour de la voix quand même, et qu'on est vraiment pris par l'émotion des mots, quoi. Et ça, c'est pour moi le. Si, en tout cas, ce disque sera réussi, c'est d'abord pour ça, quoi. Sur tous mes disques, moi j'ai toujours fait des Ouais. trucs très Oui, ça, c'est vrai. différents, des choses, alors oui, guitare-voix très simple, et puis des trucs très électroniques parce que j'adore ça. Ouais, tu vois, j'ai toujours, j'aime bien bidouiller avec mes logiciels. Voilà, donc je ne me censure pas à ce niveau-là. Quand ça me plaît, quand j'ai envie de le faire, que ça m'amuse, etc. Après, l'unité, elle est donnée par le mec qui raconte les choses, et puis ce qu'il raconte, et puis sa voix. C'est ça qui fait la différence, en fait. C'est vraiment une expérience qui me marquera, parce que c'est vraiment une espèce de fusion tout à fait exceptionnelle. C'est un disque à part, quoi, dans ma discographie. Ça va vraiment être un disque à part. Et c'est vrai que c'est un disque très simple, qui sonne pas du tout. Artisanal finalement et très acoustique évidemment, très organique comme on dit, et à la fois les titres sont très différents les uns des autres, ça ils ont chacun une couleur, non, c'est Et d'ailleurs, difficile grâce d'expliquer ça. au travail en amont des chansons qui étaient évidemment très structurées, même un peu les directions d'arrangement étaient assez précises, etc. Et il y a cette alchimie qui est géniale, cette contradiction, je trouve, entre quelque chose de très animal, très instinctif, et vraiment, alors, on peut pas faire, à mon avis, un disque
plus rapidement que celui qu'on a fait. Je crois que je pense qu'on a presque fait un record. Je pense qu'on est dans un record là par rapport à ça. Et surtout, en même temps, puisque c'était très écrit, ça fait pas non plus jam, quoi. C'est-à-dire que ça fait quelque chose de très écrit et très spontané à la fois. C'est assez marrant parce que tout est à sa place. Il y a comme une évolution dans pas mal de parties de chaque instrument. Les structures sont assez précises, etc. Donc ça fait très penser et en même temps c'est fait dans l'instant, quoi. Ça valait amplement la peine de vécu. C'est juste très content.